Oh, ce thème! Oh, ce thème! Ah, je suis comme un fou là! Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle review, un test rétro plus exactement. Et aujourd'hui, le Zelos est très content. Voilà, je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous faire cette présentation de Spyro 2 Gateway to Glimmer, sorti en 1999, développé par Insomnia Games. Et édité par Sony Computer Entertainment, on est bien sûr sur PlayStation 1. Et oui, le Zelos est très très content de vous présenter ce jeu. Pourquoi ? Parce que vous avez en face de vous mon jeu préféré de la PlayStation 1. Et oui, tout curieux que cela puisse paraître, non, ce n'est pas un Metal Gear ou un Xenogears ou un Chrono Mécouille. Non. Pourquoi je dis mes couilles à chaque fois? Putain, c'est impressionnant. Je peux pas m'empêcher d'être méprisant, hein. Putain, c'est affreux, ça. Mais non, moi, mon jeu préféré, c'est Spyro 2 Gateway to Glimmer. Oh la vache. Putain, c'est quoi ce nom, là? Enfin bon, ceux qui me connaissent un minimum le savent, moi mes jeux préférés ce sont les jeux de plateforme. Et ce Spyro 2 Gateway to Glimmer est pour moi le meilleur jeu de plateforme qu'il y a sur la PlayStation 1. Après, je n'ai pas tout vu. Évidemment, c'est un jeu en 3 dimensions. On peut un petit peu le comparer à Super Mario 64. Je parle uniquement dans la mécanique de jeu, certainement pas dans le but ni dans le level design. Mais... pour moi, c'est le Mario 64 de la PS1, ce Spyro 2 Gateway to Glimmer. Alors bien sûr, c'est un jeu qui fait partie de la série des Spyro the Dragon. Alors Spyro the Dragon, il me semble qu'il est sorti en 1997, je crois, ou 1998. Je vous ferai peut-être la review, un de ces quatre, du premier opus des Spyro, mais en tout cas, là, on est sur le deuxième. Un troisième est apparu, il me semble, en 2000, donc un an après celui-ci. Il est appelé Spyro Year of the Dragon. Le but était plus ou moins le même. De toute façon, la mécanique des Spyro, c'est toujours les mêmes, entre guillemets. Oui, on va rester un petit moment là-dessus, hein, parce que je peux vous dire que j'ai des choses à dire. Et c'est... enfin, voilà, quoi. je voulais vous parler déjà de la tronche... De la tronche de la licence Spyro, ce qu'elle est devenue. Regardez le magnifique petit dragon violet qu'on a en face de nous. Souvenez-vous ce mignon petit dragon violet. Regardez ce qu'il est devenu maintenant qu'il est passé dans les mains d'Activision. À vomir, je vous jure. Quand je vois ce qu'il est devenu, ce pauvre petit Spyro, mais ça me donne envie de pleurer, quoi. Ça me donne envie de pleurer. Ok, d'accord, ce... la licence a eu un sérieux déclin, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, quand on fait de la merde, faut bien se dire qu'on va pas applaudir les développeurs. Je pense notamment à un certain jeu sorti sur PS2 et Nintendo GameCube qui reprenait la même mécanique des jeux Spyro. Mais qui pour moi n'était pas bien optimisé, qui n'était pas bien abouti, beaucoup moins intéressant, et fait avec les pieds. J'entends par là Spyro Enter the Dragonfly, je crois que c'est ça, attendez, il faut que je le lise parce que je l'ai ce con de jeu, hein. Voilà. Spyro Enter the Dragonfly, c'est celui-ci qui m'a fait décrocher de la série Spyro, je savais que ça allait devenir complètement pourri, bien que j'ai touché quelques jeux
sur Nintendo DS. Et attendez, vous savez quoi, je vais me couper maintenant, et on va directement attaquer. Donc vérification des memory cards. Est-ce que j'ai toujours mes parties d'avant? Eh oui, j'ai toujours mes parties d'avant, mais elles sont pas terminées. Donc c'est pas les parties, c'est pas mes vraies parties, ce que vous voyez là. Enfin, mes vraies parties, si, c'est moi qui ai joué, mais... Ah, mais soyez pas cons. ce que j'entends par là, c'est que vous voyez sur la gauche, le premier fichier qui est à 95%. Et si vous voulez, bien sûr, moi, ce Spyro, mais je l'ai retourné comme c'est pas permis, et j'ai dépassé les 100%. C'est le genre de jeu qui nous fait dépasser les 100%. Donc, j'ai dû recommencer, parce que ce jeu, je l'ai recommencé, mais un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que le CD ait des problèmes de lecture, quoi. Le nombre de fois où je l'ai utilisé... En plus, c'est super, parce que vous avez trois petites images, et ça nous montre les trois environnements disponibles du jeu. le jardin de midi, la plaine automnale, je crois, et le dernier, c'est... je confonds avec Spyro 3. Je crois que la première, ce que vous avez à droite, ça s'appelle la forêt d'été. Au milieu, vous avez la plaine automnale, et à gauche, la toundra hivernale, je crois, mais je suis persuadé que c'est ça. De toute façon, moi, pour mémoriser ces trucs à la con comme ça, je suis fort. Mais par contre, pour les leçons en cours, va te faire foutre. Pourquoi je dis ça? Bon, on va faire une nouvelle partie pour que je puisse tout simplement vous expliquer le scénario. Ça va être très bateau. Pour pouvoir vous expliquer la mécanique du jeu Spyro, ce que l'on est censé faire, en quoi les levels sont intéressants à faire et ne sont pas d'un plat comme certains jeux de plateforme bas de gamme qui sortent actuellement. Enfin voilà, pour pouvoir vous expliquer tout ça, le gameplay, etc. On va faire une nouvelle partie, puis après on va quitter la partie et je vais reprendre. Je pense que je vais prendre ma partie qui est à 23%. Et puis on fera 2-3 niveaux et puis je vous dirai en gros ce que je pense du jeu. Pour moi, ce jeu est encore à faire aujourd'hui. D'ailleurs, il me semble qu'il a été réédité sur PS3. Il me semble qu'on peut le trouver sur PSN depuis 2007. Si ma mémoire est bonne, hein. Après, ma mémoire peut me faire défaut. Donc, allez, on va faire une nouvelle partie. Je vais vous laisser avec la cinématique. On va remplacer celle-là, ça sert à rien. Voilà, vas-y, fous-moi le camp. Voilà, dans le monde des dragons, je vous laisse avec la cinématique et on se retrouve tout de suite après. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud, ensoleillé. Les rivages du dragon! Ouais, j'y suis pas retourné depuis que nous avons flanqué une raclée à cette truffe de Norc. Hey, Spark, ça te dit la bronzette sur la plage? Le dernier est une andouille! Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces boulets. Et c'est peut-être pas une bonne idée, après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur. Et tiens-toi tranquille. Mais t'as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto. Tu le sais bien. Ça marche. Ça marche. Le voilà, notre dragon. Waouh, quel atterrissage. Salut, c'est par où là? Plage. Ben quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Vous avez jamais vu un dragon? C'est toi, le dragon? Ça te pose un problème, Minou. Eh bien, on dirait qu'on a oublié de me convier à la fête! Essayez-vous de me cacher quelque chose? Un dragon? Vous avez amené un dragon à Avalar? Je hais les dragons! Ah!
là ! Tu là ! Espèce d'imbécile, tu as bouffé mon sceptre ! On se reverra plus tard ! C'est qui ce clown ? Ça, c'est Terripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ça. C'est un carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord ? Hé, attends ! Oh, dans quel pétrin on s'est encore fourré ? Exactement. Bon, alors on vous a donné un bref récapitulatif. Oh putain, excusez-moi, le personnage que vous avez vu... le personnage que vous avez vu, l'espèce de petit dragon rouge, enfin je sais même pas ce que c'est un espèce de petit démon, voilà, un espèce de petit démon rouge que vous avez vu, c'est le méchant du jeu qui s'appelle Ripto, donc bien sûr avec ses deux alliés Gulp et Cruche, ça va être des boss, en gros ça va être les trois grands boss de ce jeu. Et je suis obligé de rigoler parce que quand je pense ce qui est devenu Ripto dans Spyro Enter the Dragonfly, mais c'est de la merde. C'est devenu une bouse, mais quelque chose d'immonde. Putain, Ripto revient dans Spyro Enter the Dragonfly et il est juste pitoyable. Mais quand je vous dis pitoyable, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. De toute façon, tout est pitoyable dans Enter the Dragonfly. Mais on y reviendra quand on fera la review. Donc, on nous lâche cette fois-ci avec Spyro et son acolyte Sparks. Il me semble que Sparks a changé de nom. C'est-à-dire, la libellule s'appelle Sparks, mais dans Spyro the Dragon, le premier du nom, elle ne s'appelait pas Sparks, mais elle s'appelait Étincelle. Voilà, c'est une petite note comme ça. Elle est là pour symboliser notre jauge de vie. Nous avons le droit à 4 coups avant de perdre une vie. A chaque fois que l'on se fait toucher, Sparks change de couleur. Elle a plusieurs couleurs, le doré, le bleu et le vert. Si jamais on se fait toucher une fois de plus quand elle est verte, on n'a plus de libellule et donc on n'a plus de protection. Et le prochain coup est fatal. Le jeu n'est pas réellement très difficile, mais... ça nous arrivera plusieurs fois de mourir, soit parce qu'on a raté un saut, ou soit parce que on tourne la tête et pan, il y a un ennemi devant ta tronche et merde, bon bah tant pis. enfin bon, on va parler à cette espèce de petite bestiole que l'on a en face de nous, qui est un tailleur de joyaux. On se retrouve dans le niveau de Lueur. Alors allons lui parler. Spyro, bienvenue à Lueur. Quelle catastrophe! Une bande de lézards nous a attaqués et cherche à s'emparer de tous nos joyaux. Peux-tu les arrêter ? Voilà, donc on a en face de nous la partie primordiale de ce jeu. C'est-à-dire, le but de ce jeu va être de récupérer plusieurs talismans en premier lieu. Chaque talisman se trouve à la fin d'un monde. Comment vous expliquer ça ? On va déjà essayer de récupérer des joyaux. Vous voyez, tous ces petits joyaux, là, ça fait, c'est entre guillemets la monnaie du jeu. En premier lieu, vous inquiétez pas, tous les joyaux que vous récupérez, vous les donnez à un certain monsieur Grossou. Ceux qui ont déjà joué à Spyro le Dragon savent de qui je parle, cet enfoiré de Grossou qui nous fait penser à des membres du gouvernement de maintenant, hein, c'est assez réaliste. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, il faut que je récupère une centaine de joyaux pour pouvoir progresser. Comme vous pouvez le voir, chaque joyau est différent. Les rouges valent 1, les verts valent 2, les bleus valent 5 et les dorés valent 10. Et il y a également des joyaux qui sont un petit peu plus rares. Ce sont des joyaux pourpres qui, eux, par contre, valent 25. Et là, vous savez quoi ? Je suis assez... énervé, enfin pas énervé mais frustré, parce que moi j'ai une sale habitude quand je rejoue à ce jeu,
J'ai la sale habitude de tout faire, de tout récolter, de récolter tout ce qui est possible dans les niveaux avant de pouvoir passer au suivant. Quelque chose que, évidemment, je ne vais pas faire dans cette vidéo, donc je vais avoir un sentiment de travail non fait, ça va être génial. Enfin bon, bref, on a les 100 joyaux. Les ennemis, hop là, que l'on tue, vous voyez, lâchent une petite étincelle blanche. Ces étincelles vont nous servir à activer des portails qui nous donnent plusieurs pouvoirs dans le monde. Ça peut être des pouvoirs différents, soit le vol infini, car Spyro peut voler. Il me semble que c'était possible également dans le 1, mais seulement à des niveaux faits exprès. Des niveaux qui sont également présents dans ce Spyro Gateway to Glimmer. Je m'expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais ça peut être également des grosses boules de feu à cracher, etc., etc. Je vous montrerai, ou tout simplement un saut, un portail qui va nous permettre de sauter pour pouvoir atteindre évidemment des endroits que l'on ne peut pas atteindre normalement. Cette petite fée que vous voyez là s'appelle Zoé, si ma mémoire est bonne. Elle symbolise tout simplement le checkpoint du niveau. Si jamais on perd une vie, on réapparaîtra ici. D'ailleurs, elle va nous le dire, je crois. Spyro, je suis une amie d'Elora et elle m'a demandé de t'aider. Chaque fois que tu me verras, j'enregistrerai ta progression comme ceci. Ce signal indique que, lorsque tu auras des ennuis, je te ramènerai à cet endroit. À bientôt. Voilà, donc c'est tout simplement le checkpoint. Donc ça, c'est des ennemis qui sont... On est dans le premier niveau. Hein. Comme vous avez pu le voir, le jeu est axé... on va dire, c'est assez enfantin. Ça, c'est clair et net. Mais regardez, ça c'est un ennemi qui est méchant, ça. Ouh, il est méchant l'ennemi là. On sent toute la cruauté qui dégage de son corps, hein, n'est-ce pas? Allez, casse-toi. Je vous expliquerai le gameplay un petit peu plus tard. Là, pour le coup, on ne sait plus. On sait plus qui c'est qui poursuit qui en fait. Est-ce que c'est lui qui poursuit le lézard ou est-ce que c'est le lézard qui le poursuit? J'en sais rien. Allez, fous-moi le camp. Alors, regardez. L'espèce de... les deux cônes, les espèces de deux pyramides là que vous voyez en haut. D'ailleurs, vous avez vu une petite étincelle aller directement à ce truc. En fait, c'est un portail. Et c'est justement un portail qui nous donne un pouvoir. Celui-ci, dans ce niveau, va nous donner le pouvoir de voler durant un temps limité pour pouvoir terminer une quête secondaire. La quête secondaire, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va récupérer les joyaux qui restent. Oui, parce que tant qu'à faire, moi je veux faire ce que je veux. Car le but du jeu va être de récupérer une très grande partie des joyaux. Les joyaux sont très importants pour la progression du jeu. Si jamais vous ne les récupérez pas, vous allez être, en général, bloqué. À certains moments, vous allez être bloqué. Évidemment, quand on sort du monde, tous les joyaux que l'on a déjà récupérés ne repopent pas. Autrement dit, tous les joyaux acquis dans le niveau vous sont acquis, point barre. Et les joyaux vont nous servir à payer cette espèce de gros tas, là. Cette espèce de petit fumier, là, en espèce de costard avec son sac à joyaux et son monocle dégueulasse. Et ben, c'est gros sous. Je vais vous laisser faire connaissance avec ce vil personnage. Tu dois être le dragon dont tout le monde parle. Dragon ou pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le pont. Cela te coûtera 100 joyaux. Merci, monsieur le dragon. Spyro, n'est-ce pas? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment et gratuitement. J'espère que nous nous reverrons lorsque tu auras d'autres joyaux. Voilà, ça vous donne une idée sur la psychologie de ce monsieur. Grossou qui refait son apparition dans Spyro 3 et également dans Spyro Enter the Dragonfly, où il fait le muet. Hein. Il parle, mais on n'entend jamais ce qu'il dit dans Enter the Dragonfly. Mais faut que j'arrête de parler de ça, sinon ça va m'énerver. Donc bref, ce fameux Grossou nous donne soit la possibilité de progresser, tout simplement dans le level, ou alors il va nous donner la possibilité d'apprendre plusieurs mouvements. Comme vous le savez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça c'est moi qui vais le dire, ça, plus tard. Comme vous le savez, pour ceux qui ont joué à Spyro 1, Spyro ne sait pas nager. Il déteste l'eau, même l'eau est mortelle pour Spyro dans Spyro 1. La grande différence, c'est que dans ce Spyro 2, on va pouvoir apprendre à nager. Ça, je peux vous dire que ça a été quelque chose de fou.
Alors regardez, là on se retrouve à la fin du level. Ça va être comme ça, à chaque fois on va parcourir plusieurs mondes, il y a un point A, un point Z, il faut aller du point A au point Z tout en récupérant le maximum de joyaux possible, voire autre chose que j'expliquerai tout à l'heure. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que je suis arrivé à la fin du niveau que je termine pour autant. Il y a un grand aspect exploration dans ce jeu qui n'est pas vraiment démontré dans ce niveau, étant donné qu'il est assez dirigiste, c'est normal, c'est le premier. Mais comme vous pouvez le voir, on a un autre passage ici. Voilà, on a un autre passage ici qui nous permet d'obtenir d'obtenir tout simplement une autre... comment dire ? Bon, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire maintenant, ça c'est fait. Vous voyez cette... Viens ici, toi. Tu m'énerves à courir partout. Voilà. Voilà les deux espèces de pyramides que vous avez vues, entreaperçues du moins, tout à l'heure. Vous voyez le symbole, il y a deux herbes. Ça nous montre que c'est un portail qui me donne la possibilité de voler durant un temps, limité. En fait, il va y avoir deux buts dans ce jeu et dans les niveaux. Le premier étant évidemment de récupérer tous les talismans, autrement dit de terminer le niveau, vous n'avez pas vraiment de grandes actions à faire, il vous suffit d'arriver du point A au point Z, point barre. Une fois que vous êtes arrivé à la fin du niveau, on vous donne le talisman et vous pouvez quitter le niveau à votre guise. Mais vous avez une deuxième quête qui est très importante pour les 100% et pour la vraie fin, qui est celle des boules. Vous avez plusieurs boules vertes à récupérer, vous en avez plusieurs par niveau, comme par exemple celle-ci. Dans ce monde-là, il y a 3 boules à récupérer. On va faire la petite mission qui se trouve ici pour que je puisse vous montrer directement ce de quoi je suis en train de vous parler. Génial! La recharge supervol est active et tu peux rallumer nos lampes à joyaux. Allume vite toutes tes lampes et la grande lampe s'éclairera. La recharge te fournira assez de magie pour voler quelque temps. Voilà, on a un récapitulatif de mes objectifs. Traverser les pyramides pour obtenir la recharge supervol, allumer les lampes à joyaux et allumer toutes les lampes. Difficulté, 1 étoile. Bon, ça n'a rien de bien compliqué, mais en général, les défis comme ça ne sont pas très compliqués. Donc, allons-y, on traverse le portail et on peut voler. Le but est de cracher du feu sur toutes les lampes à joyaux, comme vous pouvez le voir. Alors, je galère un petit peu avec cette croix complètement pourrie de la PlayStation. Hop là, on va passer par ici, tiens. Et c'est la dernière. Voilà, objectif secondaire réussi. Cette petite bobette va nous donner une petite boule. Une fée m'a fait cadeau de cette boule, mais je préfère de loin les joyaux. Tu peux la garder. Et voilà, comme vous pouvez voir, cette petite boule verte fait partie de la quête annexe du jeu. Vous n'êtes pas obligé de tout terminer à 100% si jamais vous voulez finir le jeu. Mais cependant, on vous explique très clairement que pour pouvoir terminer convenablement le jeu, il vous faut absolument tout choper. Personnellement, j'ai pris un plaisir fou à me balader dans tous les mondes qui sont très jolis. Alors évidemment, on est sur PlayStation, donc... ça a vieilli, hein. Forcément ça a vieilli, mais ça reste quand même très beau. On est en 1999, je vous rappelle. Bon, évidemment, la Nintendo 64, j'ai envie de dire, ça battait à plate couture à la PlayStation au niveau des environnements, surtout si je pense à un certain Banjo-Kazooie qui est sorti un an avant ce Spyro 2 Gateway to Glimmer. Mais regardez quand même, tous les niveaux ont un charme qui leur est propre. C'est hallucinant. Tous les niveaux sont colorés, jolis, c'est très enfantin comme je l'ai dit, mais c'est assumé. Et ça c'est quelque chose que je ne supporte pas par rapport aux Spyro qui sont sortis juste après, c'est que ce Spyro là c'était parfait. On a un environnement qui est très joli, c'est agréable à l'œil, les couleurs sont toujours très bien choisies, il n'y a aucun mauvais goût dans l'architecture des niveaux. Et on est passé à Enter the Dragonfly, à un jeu qui non seulement ramait à mort, ce qui était horrible pour pouvoir jouer convenablement, mais qui en plus était d'une platitude assez limite insultante pour tous les fans de la première heure de Spyro. Je veux dire, ok, Spyro c'est un petit dragon tout mimi, il se balade dans des univers qui sont un petit peu enfantins, je veux bien le comprendre, mais est-ce une raison pour le
poussé au ridicule. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Spyro Enter the Dragonfly, et c'est une des raisons pour laquelle je hais ce jeu. Et tout de suite après, on est passé à, je crois, Spyro, la naissance d'un dragon, sur Wii. Et là, c'est une catastrophe. Là, c'est pire qu'une catastrophe. On a essayé de faire de Spyro un dragon tout mimi, un petit peu provocateur, un petit peu à la Sonic. On a essayé d'en faire un dragon sérieux. Autrement dit, un dragon badass, voyez, qui... Ça, en ce qui me concerne, ça n'a pas du tout pris. J'ai même trouvé ça ridicule au possible. Mais à un point, vous imaginez même pas. Le sort des Spyro dans le jeu vidéo, c'est une de mes plus grosses déceptions dans le jeu vidéo, car les Spyro, c'est ma série préférée de la PlayStation 1. Donc, enfin, vous imaginez quoi, je vois ma série préférée de la PS1 saccagée à mort. Putain, mais je suis dégoûté de la vie, quoi. Donc, on va récupérer Spyro, le talisman de lueur. Accepte ce talisman lumineux en signe de notre gratitude. Ah, le CD, il commence à sauter un petit peu. Vous savez, au départ, je voulais vous en faire un walk. Je voulais vous en faire un walk de ce jeu. Ce portail magique t'emmène à fort été. Un démon d'Avalar. Putain, je les connais par cœur, les dialogues encore. Putain, c'est hallucinant. Putain, vous imaginez pas, je suis comme un gamin à Noël. Enfin bon. Je sais plus ce que je disais. Bon bah bref, tant pis. On va passer le portail pour aller à la forêt d'été. Une petite cinématique va s'enclencher si ma mémoire est bonne. Voilà, donc forêt d'été, c'est un grand hub. C'est un grand hub central qui nous donne l'accès à plusieurs mondes. Comme on voit, là, l'espèce de troupe à Ripto fout le bordel dans les mondes d'Avalar. On se retrouve dans le monde d'Avalar. Mais bon, je vais laisser parler. Salut, on n'a pas encore été présenté. Moi, je m'appelle Elora. Salut, moi c'est Spyro. Et t'es quoi au juste, une espèce de chèvre ? Je suis un faune en douille. Oh, désolé. T'as vu les tailleurs de joyaux à lueur ? Ouais, et ils m'ont même donné un souvenir. C'est ce qu'ils appellent un talisman. Ils t'ont offert un talisman ? Quoi ? C'est spécial ? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Avalar recèle 14 talismans. Et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé ? Je me suis perdu. Spyro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon ? Vraiment ? Écoute, Spyro. Il est impossible d'atteindre les rivages du dragon pour l'instant. Ripto et ses acolytes se sont emparés du château de la forêt d'été. Tu devras parcourir les mondes d'Avalar et convaincre leurs habitants de te confier les talismans. Tu peux les garder dans ton carnet. Mais même moi, je pourrais le faire. Le dragon devrait plutôt enflammer Ripto. Écoute, chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes tennis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans ? Et si tu trouves des boules, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je vire Ripto en moins de 2 et j'arrive au rivage du dragon pour le déjeuner. Exactement, voici le but de notre petite quête, entre guillemets, affichée directement. Donc c'est comme je vous ai dit, on va parcourir plusieurs mondes. Dans le monde d'Avalar, on va parcourir plusieurs niveaux. Des niveaux qui sont soit féeriques, soit loufoques. Oh putain, déjà écoutez-moi cette ambiance, quoi. Je vous laisse juste avec l'ambiance pendant un petit moment. Je peux vous dire que ça me rappelle des souvenirs, mais... Oh, oh là 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 là. Mais là, je pourrais partir pour toute la nuit. Allez-y, on va terminer le jeu. Allez, on y va. Non, c'était une blague de merde, hein, au cas où... Non, parce que t'en as qui pensent que je suis sérieux, hein. quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que dans tous les mondes que l'on va parcourir, on va croiser des espèces de petites bestioles, les fameux moutons de Spyro the Dragon. Alors,
Ces espèces de petites bestioles libèrent des papillons à chaque fois qu'on les tue. Ces papillons, en fait, redonnent de la vie à Sparks. Voilà, et c'est de cette façon que l'on regagne sa vie. On tue une bestiole, elle libère un papillon, Spark la bouffe, et du coup, elle va bien mieux. Oui, c'est très logique, mais en même temps, c'est un jeu vidéo, messieurs. Il y a également des papillons spéciaux, comme celui-ci, là, qui, eux, par contre, donnent une vie quand Sparks la mange. Si jamais vous voulez vous faire un max de vie, tuez une dizaine de petites bestioles comme ça, et c'est un papillon avec une vie, qui vous donnera une vie qui sortira. Donc, je vais relaisser Laura vous parler et vous redire encore une fois ce pourquoi est-ce qu'on est ici. Spiro, voici le monde appelé Forêt d'été. Il existe des portails vers d'autres mondes à Valar près d'ici. Hélas, Ripto s'est emparé du château et nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras. Voilà, c'est histoire qu'on n'ait pas encore compris, elle nous en remet une couche après. Donc ici, on est dans le hub central, qui est la forêt d'été. Il y a trois hubs dans ce jeu. Vous avez la forêt d'été, les plaines automnales et la toundra hivernale. C'est comme ce que je vous ai dit au tout départ. Dans ces hubs, vous allez non seulement pouvoir récupérer plusieurs joyaux, mais enfin, plusieurs, pas mal quand même, parce que je crois qu'il y en a 500 par hub, mais également des boules, vous avez des défis qui vous sont proposés, même dans les hubs centraux, pour pouvoir compléter votre petite collection de joyaux, ou tout simplement votre collection de boules. Et comme vous pouvez le voir, cette espèce de fumier là-bas est toujours présent. J'ai pas envie de parler à la petite fée, là. Je vous expliquerai le gameplay un petit peu plus tard. Donc, cette espèce de gros fumier est toujours présent. Alors si je me souviens bien, j'arrive plus à parler, ça y est, ça commence. Dans ce jeu, Grosou est là, dans les hubs centraux, pour nous apprendre différents mouvements. Là, en l'occurrence, il va nous apprendre tout simplement à nager. Seulement, il me faut 400 joyaux. Vous pouvez voir, j'en ai pas assez. Merde, c'était le bouton select, autant pour moi. Voilà, j'en ai 251. Oui, Sparks, coucou. Il nous apprend des mouvements ou alors nous déverrouille l'accès à certains mondes. Quand on le rencontre dans le monde, par contre, il nous laisse accès à la suite du level. Et à certains moments, c'est complètement chiant de devoir payer alors qu'on n'a pas vraiment prévu le coup. Donc c'est pour cela, si jamais vous devez jouer à ce jeu, collectez le plus de joyaux que vous pouvez. Tout simplement parce que sinon vous allez être bloqué en général à cause de ce fumier là. Comme vous avez pu voir, il y a différents récipients, si je peux dire, ou containers pour les joyaux. Vous avez soit des espèces de paniers en osier que vous pouvez charger ou cramer à votre bon aise. Si jamais vous les chargez et que vous continuez à courir, voilà, le joyau vous suit. De cette façon, vous n'arrêtez pas votre course, ce qui est plutôt une bonne chose. Et vous avez également des récipients en métal qui, eux, par contre, ne sont destructibles uniquement par la charge. Plus tard, dans certains niveaux, vous allez rencontrer des conteneurs qui sont un petit peu plus robustes, qui, eux, ne pourront être détruits que par une grosse flamme de Spyro qui s'obtient grâce à un portail, ou alors une méga charge qui s'obtient également grâce à un portail. Donc on va voir Chasseur, là, qui se retrouve ici, qui va vous apprendre le gameplay du jeu. Chasseur qui refait son apparition dans Spyro 3, et également dans Enter the Dragonfly, et aussi dans La Naissance du Dragon. Et dans les deux cas, il est à chier. Mais bon, petite parenthèse, hein, excusez, c'est comme si j'en avais pas fait assez. Allez, donc, explique-nous comment parler, comment jouer. Comment parler. Essaye d'escalader la première marche. Appuie sur la touche croix et maintiens la touche enfoncée pour rester en l'air. Voilà, donc on nous apprend tout simplement comment faire un saut. Alors, Spyro, on va dire, obéit à la loi des jeux en 3D, surtout au niveau des sauts. J'entends par là que si vous faites une petite pression, Spyro fera un petit saut. Si vous faites une grande pression, Spyro fera un grand saut. Tout simplement. C'est pas mal. Maintenant, tu vas essayer de planer. Appuie sur la touche croix pour sauter, puis au sommet de ton saut, réappuie sur la touche croix pour planer le plus loin possible. Voilà, donc là, on va nous apprendre à planer. Ça, c'est un élément de gameplay qui va être très très important
pour le jeu. Si jamais vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pourrez jamais avancer. C'est tout simplement le planage. Bon, moi je triche hein, quand je passe par là, parce que vous pouvez charger avec la touche carré, bien sûr, et ça vous donne un certain élan. Quand vous sautez grâce à la charge, ça vous donne pas mal d'élan. Et du coup, vous pouvez atteindre certains endroits, on va dire certains endroits que normalement vous ne pouvez atteindre qu'en papillonnant. C'est un mouvement que l'on va apprendre tout à l'heure. Donc l'autre, il va me reparler. Oui. Donc vous appuyez sur le bouton de croix pour sauter et réappuyez au sommet de votre saut pour pouvoir planer le plus loin possible, comme ceci. Bien joué. Essaye maintenant de papillonner. Appuie une fois sur la touche croix pour sauter, puis une seconde fois pour planer. Lorsque tu atteins la fin de ton vol, appuie sur la touche triangle pour papillonner. Cela augmentera la hauteur et la distance du saut. Voilà, donc le papillonnage. Quand on va arriver à la fin de notre saut qui se trouve là-bas, on devra faire une petite pression sur la touche triangle afin de pouvoir augmenter légèrement la distance de notre saut, mais également la hauteur. Donc c'est un mouvement qui va grandement nous aider quand on verra que l'on sera assez juste dans un saut. On va vous montrer ça directement. Dès que vous voyez que Spyro a l'air très juste dans son saut qui risque de se casser la gueule, eh ben faites une pression sur la touche triangle pour pouvoir faire un petit papillonnage. On se demande du coup s'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de voler, tout simplement. Parce que Spyro ne peut pas voler, sauf dans les niveaux prévus, ou alors grâce à un portail. Bien, donc on va passer à la dernière épreuve, qui est tout simplement de papillonner jusqu'à là-bas. Excellent! Procédons alors au plus difficile des exercices. Il faudra se donner. Commence par marcher, puis saute, plane et papillonne avant d'atteindre le bord de la plateforme. N'oublie pas d'avancer à l'aide de la manette analogique ou de la touche directionnelle correspondante lorsque tu papillonnes. Sans déconner, putain, tu es quelqu'un de très habile comme monsieur. Donc là, c'est tout simplement un saut qui est un petit peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir. Mais bon, il y a une façon plus facile de pouvoir atteindre ce bord-là. Parce que pour tout vous dire, la première fois que j'ai joué à ce jeu, ce saut-là, il m'avait cassé les noix. Parce que je m'habituais à peine au gameplay du jeu. Enfin, je m'habituais à peine. C'est pas vrai, parce que d'un autre côté, j'avais déjà joué à Spyro the Dragon. Mais dans le premier Spyro, quand vous appuyez sur la touche triangle à la fin de votre planage, il ne papillonnait pas, il s'arrêtait d'un coup. D'ailleurs, je suis en train de regarder que sur la droite, vous avez carrément une espèce d'étincelle. Vous voyez ces espèces de petites étincelles qu'il y a sur la droite? Eh bien, c'est l'emplacement d'une boule verte. Voilà. Comment la voir? Ah, ça. Qui sait? Bah, peut-être qu'on pourra la choper tout à l'heure. Enfin bon, donc on va faire ce saut-là. Vous avez un moyen beaucoup plus simple d'y arriver, c'est tout simplement de charger, de sauter et de planer. En général, vous couvrez beaucoup plus de distance en chargeant. Et hop! Et voilà. Waouh! La forme m'impressionne. Si j'avais toujours mes chaussures de sport, je ferais la course avec toi. Tiens, cette boule. Un petit peu fatigué le CD, hein. Et voilà, une deuxième petite bouboule. Alors, à quoi vont nous servir ces boules? Eh bien, ça va tout simplement nous servir à ouvrir l'accès à certains passages. Bon, évidemment, on va pas nous le montrer, je crois, dans ce level-là. Mais quoique si, on a un endroit qui nous le montre, je crois, à l'intérieur du château. Parce qu'on pourra y aller, on peut même y aller maintenant, si jamais je récupère assez de joyaux. Alors après, est-ce que j'en aurai assez? Je ne sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup par ici. On va essayer de les choper. Je vais choper tous les joyaux qui se trouvent par ici. Ah, Sparks, chope-moi le joyau! Alors, il me semble, vous avez une technique pour pouvoir repérer les joyaux directement. Maintenez la touche L1, L2, R1 et R2 en même temps. Et Sparks, comme vous pouvez le voir, vous indique le joyau le plus proche. Elle vous indique la direction du joyau le plus proche. C'est quelque chose qui est très utile pour votre collecte de joyaux, tout simplement. Et je crois qu'on n'aura pas assez de joyaux pour pouvoir apprendre ce fameux mouvement. Et putain, dommage. Eh ben, vous savez quoi? On va pas se lambiner, parce que moi j'ai le temps. Oh ouais, mais putain, ça fait déjà 40 minutes. Oh, putain, je suis désolé. Hein. Mais d'un autre côté, si jamais vous voulez couper, bah coupez, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je suis bien, là.
Moi je suis bien, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je pense que je vais faire une pause si je vois que j'atteins l'heure. Je vais faire une petite pause histoire de m'abreuver parce que j'ai rien pris à côté de moi. Oui, les petits moutons. Ici. Alors, quelque chose qui est grandement intéressant, c'est également la variété des niveaux. Comme par exemple, regardez ce niveau qui se trouve ici, qui s'appelle Colossèse. Là, ça va... Colossèse, putain, ce level, c'est un level de fou. Une petite faiblesse de ce Spyro 2, c'est au niveau de la réédite des personnages. Comme par exemple, vous allez voir, les personnages de Colossèse sont... C'est les mêmes, tu vois, c'est pas un petit peu, ou même ressemblant, c'est les mêmes. Il y a que les vêtements qui changent. Ce sont les mêmes que d'un autre niveau qui se trouve juste à côté, celui-là. Ah, casse-toi, toi. Qui se trouve ici, qui est Saint-Idole. Alors à chaque fois, vous avez une espèce de petite cinématique humoristique, entre guillemets. Je vous rappelle que ce Spyro est quand même bon enfant. C'est basé pour plaire aux enfants en premier lieu. Donc forcément, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, ça me fait plaisir de revoir ces choses-là. On va aller se balader à Saint-Idole pour pouvoir récupérer un petit peu plus de joyaux et apprendre le mouvement... le mouvement de pouvoir nager sous l'eau. Vous allez avoir pas mal de mouvements à apprendre, hein, que ce soit nager sous l'eau, grimper aux échelles, faire une attaque, comment dire, une espèce d'attaque rodéo à la Mario, je ne me souviens plus du nom de cette attaque. Bah, je vous laisse avec la cinématique. Enfin, ouais, oui, ça me fait marrer, je sais, il m'en faut pas beaucoup, mais ça me fait marrer. On va tout simplement voir ce qui se passe. Pourquoi c'est le bordel comme ça? Les idoles que nous taillons sont devenues des êtres vivants. Elles ont envahi nos temples et elles ont volé nos vivres. Voilà, donc le but ça va être de traverser le niveau tout en aidant les habitants de ce level. Donc pour ça il va falloir tuer toutes les idoles qui se trouvent à côté. Et comme vous pouvez le voir, on a de la flotte ici. Et il y a des joyaux dedans. Et Spyro ne sait pas nager. C'est une des forces de ce Spyro. C'est que contrairement par exemple à un Banjo-Kazooie, celui-ci va nous faire revenir dans les niveaux pour pouvoir les compléter à 100%. Du moins pour ceux que ça intéresse, mais bon, je vous rappelle que c'est le principe du jeu, quoi. J'ai envie de dire, si jamais vous partez dans ce jeu avec à l'esprit le fait que vous n'allez certainement pas le finir à 100%, j'ai envie de dire, ne jouez pas à ce jeu, quoi, parce que vous allez vous gâcher une belle expérience de jeu. Parce que pour moi, je sais pas, mais ce Spyro... Explorer les levels, je veux dire, comme vous pouvez voir, toujours des couleurs très vives, sauf 2-3 exceptions, 2-3 niveaux qui font preuve, non pas d'un relâchement, parce que des couleurs très vives comme ça, il faut un moment que ça se casse un petit peu pour pouvoir reposer nos yeux, limite, j'ai envie de dire, mais il y a certains niveaux qui par contre ne sont pas vraiment très, très recherchés. On sent qu'il n'y a pas vraiment une grande aspiration lors de la construction de ce level là. Regardez, vous avez plusieurs ennemis également. Ça, c'était exactement la même chose dans Spyro the Dragon. Vous avez soit des ennemis entre guillemets normaux, où la charge est le crachage de feu. Enfin, d'ailleurs, vous pouvez cracher du feu en appuyant sur la touche rond, hein, tout simplement, et maintenez la touche carré pour pouvoir charger. Si jamais je ne l'ai pas dit, voilà, maintenant c'est fait. Vous avez plusieurs types d'ennemis, certains qui sont normaux, comme je l'ai dit, qui sont sensibles à la charge et aux flammes de Spyro, d'autres qui, comme l'autre, là, se protègent des flammes de Spyro grâce à un bouclier métallique. Veuillez faire attention, parce que certains des ennemis dans les niveaux possèdent une armure métallique, et ça ne se voit peut-être pas vraiment. Ou alors, des gros, comme ceux-là, que vous pouvez voir, les gros ne sont pas sensibles à la charge, mais par contre sont sensibles aux flammes. Voilà. Oh putain, je vais vous laisser un petit peu avec... je vais pas vous laisser avec l'ambiance. Je vous laisserai avec l'ambiance dans un autre level qui sera un petit peu plus intéressant que celui-ci.
Alors les mouvements de caméra. La caméra est une des choses les moins chiantes de ce jeu. Même si à certains moments, je pense qu'il y en a qui pourront gueuler un petit peu là-dessus. Un mouvement a été enlevé de la panel de mouvement de Spyro. C'est les roulades. Il me semble que dans Spyro the Dragon, le premier du nom, on pouvait faire des roulades sur le côté en appuyant sur la touche R1 ou L1. Là, cette fois-ci, ça a été changé par un mouvement de caméra. L1 et L2 font bouger la caméra vers la gauche, alors que R1 et R2 font bouger la caméra vers la droite. Maintenez L2 et R2 pour pouvoir recentrer la caméra derrière Spyro. Voilà, tout simplement. C'est une caméra... entre guillemets, enfin fixe, je sais pas comment dire ça, mais la caméra suit le personnage directement, c'est à la troisième personne. La caméra est toujours bien choisie, je n'ai jamais eu de problème de caméra dans ce jeu, sauf peut-être rares exceptions qui étaient plus dues à un mauvais choix de mouvement de ma part, autrement dit un saut à un mauvais moment, résultat je me retrouvais caché derrière un mur. À chaque fois que la caméra se place dans un mauvais endroit, c'est parce que le joueur a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, en général. Mais bon. Donc voilà, on a atteint les 400 joyaux, donc ça c'est bon. On va pouvoir apprendre notre mouvement, mais je vais quand même essayer de récupérer non seulement les boules qu'il y a dans ce niveau, mais... Ah mais non, mais je pourrais pas, il y a des boules que je pourrais pas récupérer étant donné que je ne peux pas nager. Bon bah tant pis, je vais récupérer un maximum de joyaux. Qu'est-ce que tu veux? Oui, la caméra, je sais, je leur ai dit. Hein. du coup, je sais même plus, elle m'a coupé, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, donc je vais récupérer les boules que je peux dans ce level. Et également le plus de joyaux possible pour pouvoir vous montrer un niveau qui est un niveau assez spécial. Ou alors si jamais je peux pas, on quittera la partie et puis je prendrai ma partie entre guillemets la plus avancée pour pouvoir vous montrer tout ça. Hop là, hop là, hop là. Et voilà, on est déjà à la fin du niveau. Les niveaux sont très courts, hein. Surtout il y a certains niveaux qui peuvent se torcher en à peine 2 minutes. Si jamais pendant 2 minutes vous êtes en train de vous balader et vous arrivez, vous voyez le mec là avec son drapeau. Je dis putain, c'est déjà la fin. La première impression que vous allez avoir, c'est putain, c'est vachement court, c'est du foutage de gueule. Mais en général, quand on arrive à la fin, assez rapidement, c'est qu'on a quasiment rien fait. Comme là, par exemple, je vais appuyer sur le bouton Start, je vais voir ce que j'ai fait, je vous expliquerai un petit peu toute l'interface tout de suite après. Ah non, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà, tout simplement, c'est marqué Sainte Idole. Je suis arrivé à la fin, seulement je n'ai récupéré que 132 joyaux sur 400 et uniquement 2 boules, uniquement 0 boule sur les 2 possibles. Par contre, j'ai tué tout le monde. Ça, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, à chaque fois que l'on arrive dans ce niveau, enfin, à la fin d'un niveau d'une façon très rapide, c'est qu'en général, on a carrément rien foutu et qu'il nous reste facile 80% du level à visiter. Comme là, par exemple, on va aller récupérer une boule qui se trouve par là-bas, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas par ici, je raconte des conneries. Ici, c'est tout simplement pour récupérer des joyaux et également détruire un récipient. Pas un récipient, putain, mais... un récipient. Ah, mais quoique, si, c'est par ici, la boule. Non, non, mais ma mémoire me faisait pas défaut. Bon, par contre, je fais n'importe quoi, là. Qu'est-ce que je fais? Tu vas passer, oui. Merci. Voilà, donc cet endroit c'est non seulement pour la deuxième boule, évidemment le clipping est présent, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon, on est sur PlayStation, il faut pas l'oublier. Hein. Donc ce passage nous permet de récupérer des joyaux, et là regardez, la première chose que va faire un joueur, entre guillemets, qui va faire le jeu rapidement, déjà il va sortir au portail. Donc il va rater facile 80-75% du niveau. Et si jamais il croise ça... La première chose qu'il va faire, c'est aller ici et ensuite revenir du côté du portail. Mais si jamais on continue par ici, on va se rendre compte qu'il y a en plus d'un passage qui nous dévoile d'autres joyaux. Hop là, merci. Voilà. Il y a un autre passage qui se trouve plus loin par ici, voilà. Et qui va nous donner accès à un espèce de missile qui va en fait détruire un conteneur qui...
qui contient des joyaux. Oui, un conteneur qui contient, exactement. Un conteneur qui contient des joyaux qui vont... mais malheureusement, le conteneur est du genre très solide. Et il nous faut un pouvoir ou alors un des missiles que vous pouvez voir en face de nous pour pouvoir détruire ce conteneur. Alors, est-ce qu'on le voit d'ici? Je ne crois pas. Non, il est derrière la tête d'Idole. Mais bon, on va pas le faire, ça sert à rien, étant donné que les joyaux vont atterrir dans l'eau, et que je ne peux pas encore aller sous l'eau, ça ne me servira à rien du tout. Et là, on va faire un truc qui, normalement... Eh non, raté, bon. Je voulais essayer de retourner à l'endroit, mais dans le sens inverse, en général, c'est pas possible. Même si je pense que... À mon avis, des speedrunners auront toujours trouvé solution à tout. en ce qui me concerne, j'ai pas ce talent-là, donc pour moi, c'est pas possible. Donc vite, on va aller récupérer la boule qui se trouve là-bas. Et ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement foncer sur toutes les... Hop là, récupère les joyaux, Spyro. Il y en a pas ici, il faudrait pas en louper. Voilà. Le but de ce défi, c'est ça qui m'a fait aussi halluciner, c'est de voir la diversité des épreuves. Alors certes, on n'a pas beaucoup, ce n'est pas comme un Mario 64 où on a 6 étoiles à récupérer par monde. Là, on a uniquement 2, maximum 4 boules à récupérer dans les mondes. Je crois que c'est 4 hein, le maxi, je suis en train de me poser la question. Mais à chaque fois, ce sera des épreuves différentes. Peut-être qu'à certains moments, on va voir une petite reddite, mais c'est très faible. Les petits défis que l'on voit comme ça pour pouvoir récupérer les boules sont tous très diversifiés. Résultat, on ne s'ennuie jamais en faisant les objectifs du jeu. Donc bonjour madame. Quelle joie de te voir, Spyro. Maintenant on se connaît. Que la super recharge est activée, tu peux foncer sur les piédestaux et envoyer les danseuses de hula par ici pour m'aider. Voilà, bon, ça c'est un truc aussi que j'ai remarqué, c'est tout le monde connaît Spyro. Hein, tu vas dans n'importe quel monde, tout le monde t'appelle Spyro. Salut les gars, c'est Spyro, pourquoi pas. Alors là, le but c'est de foncer à travers ce portail qui va nous donner une super charge. Et il va falloir que je défonce absolument toutes les danseuses. Si jamais j'en rate une, eh ben j'aurai plus qu'à recommencer. Donc allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Impeccable. Et voilà, objectif atteint. Donc oui madame, tu vas te taire. Si jamais vous voulez passer les dialogues, vous appuyez sur la touche croix. Putain, je vais y arriver. Ça fait combien de temps? 51 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que je vais faire une pause? Je ne sais pas. Parce qu'en même temps, là je sens que la vidéo, là, je sens que ça va saouler beaucoup de gens. Je pense qu'à mon avis, il y en a déjà pas mal qui auront arrêté la vidéo. Parce que mine de rien, une heure sur Spyro 2, c'est bon quoi, ça suffit quoi. Mais je sais pas, moi j'ai envie de continuer à vous montrer certaines subtilités parce que je n'ai pas tout expliqué. Enfin bon, donc on va récupérer un maximum de joyaux. Allez mon grand, hop là. Bien, donc prochaine étape c'est apprendre à nager. À pouvoir nager, merci. Et donne-moi le talisman, Spyro, toi. Tu es très courageux. Si tu cherches du travail, nous avons un poste pour toi ici. En attendant, je te donne ce talisman. Et moi, j'arrive pas à trouver du boulot, monsieur. Je peux postuler ou pas? On verra, je ne sais pas. En tout cas, allons-y, on se casse. Et à chaque fois que l'on termine un niveau, on a, comme à l'entrée, une petite cinématique... entre guillemets rigolote, enfantine, qui nous montre comme quoi on a bien fini le level. Oui, ça me fait marrer, encore une fois. À chaque fois que l'on sort d'un niveau, notre total de joyaux est comptabilisé. Ça, bon, ça ne montre rien, j'ai envie de dire. Enfin,
Enfin si, ça nous montre le total de joyaux qu'on a, mais bon, c'est directement affiché en appuyant sur le bouton Select. D'ailleurs, en appuyant sur le bouton Select, vous pouvez voir la petite, les petites étincelles à droite symbolisées par 0, le nombre d'ennemis que j'ai battus. Il n'y a pas d'ennemis dans les hubs centraux, donc c'est à 0. Au centre, c'est bien sûr le nombre de vies que j'ai, et à gauche, le nombre de joyaux que je possède. Donc, on va aller voir Grossou pour qu'il puisse nous apprendre à nager, mais tout d'abord... Ça va être une partie chiante là, enfin pas chiante, mais enfin pas pour moi, mais bon, certainement pour vous. Je vais vous expliquer l'interface du bouton Start. Donc, allons-y gaiement, Start, voilà. Plusieurs onglets s'offrent à nous. Continuer, donc reprendre la partie. Le carnet, ça je vais expliquer ce que c'est un petit peu plus tard. Sauvegarder jeu. On nous donne la possibilité de sauvegarder manuellement, mais bon, le jeu sauvegarde automatiquement à chaque fois que vous entrez ou que vous sortez d'un niveau. Les options, alors rien de bien intéressant. La carte, la caméra passive, passive ou active, ça par contre, je n'ai jamais vu une seule différence. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Vibration, bon moi je joue sur une manette Day One de la PlayStation, donc il n'y a pas de vibration dans ma manette, mais c'est possible, le jeu est compatible avec évidemment la DualShock. Horizontal, ça je suppose que c'est le calibrage d'écran, pas besoin de toucher. Vous savez quoi, je vais activer la carte pour voir, parce que au final, j'ai jamais vu... Oh, ah d'accord, parce que la carte, je ne m'en suis jamais servi. Ah, j'en avais rien à foutre. À la différence... d'ailleurs, on va enlever parce que je la... Elle est immonde. je la trouve dégueulasse, la carte, dis donc. Hein, je la trouve pas belle. Enfin bon, bref. Allez, enlève-moi ça. Merci. Oui, enfin, moi, j'en ai pas eu besoin, je veux dire. Le jeu est tellement... Enfin, pour moi, hein, en ce qui me concerne, le jeu est tellement envoûtant par son ambiance que... Au final, je m'en foutais de savoir où me repérer, je me baladais, ça allait très bien. Même si je pouvais me paumer dans les levels, j'en avais rien à foutre, j'étais bien. Donc voilà, donc bon, les sons, les voix activées, volume son, volume musique, haut-parleur stéréo, etc., etc. Ou alors, on a la possibilité de quitter le jeu. Sur la droite, vous avez le carnet. Alors, le carnet, quand vous êtes sur l'écran de pause, ça vous montre le nombre de vies, le nombre de joyaux que vous avez, le nombre de boules totales que vous avez. La partie du dessous vous montre l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, je suis à la forêt d'été. Je possède 155 joyaux sur les 400 disponibles dans la forêt d'été. Donc, c'était pas 500, hein. Ça me montre le nombre d'ennemis qu'il y a dans ce niveau, il n'y en a pas, et le nombre de boules qu'il y a dans ce niveau, j'en ai récupéré une sur les 4 disponibles. Si l'on va dans le carnet, un petit peu plus, si on va chercher dans le carnet, on a ici le récapitulatif de tous les niveaux qui se trouvent dans la forêt d'été. Et également, comme vous pouvez le voir, le pourcentage qui nous montre à combien de pourcents est-ce que l'on a terminé un niveau. Donc apparemment là Saint-Idole je l'ai terminé à 76%, il me reste plus grand chose. Mais enfin bon, ça va plus ou moins vous être utile dans le jeu. Pour pouvoir vous faire une différence, c'est là où pour moi ce Spyro 2 Gateway to Glimmer est bien plus intéressant que par exemple Spyro 3 ou le premier Spyro. Quoique non, c'est plutôt égal. Personnellement, je préfère Spyro 2 à Spyro 1 à cause du gameplay. Le gameplay était un petit peu rigide dans le premier Spyro the Dragon. Il est beaucoup plus souple maintenant. Et dans Spyro 3, malheureusement, le jeu commençait à tomber dans la facilité. J'entends par là que si jamais je prends Lueur, par exemple, on a tout simplement le récapitulatif du nombre de joyaux que j'ai récupéré. Il y en a 400, j'en ai pris 304. Le talisman, si je l'ai récupéré ou pas. Et également les boules. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré une boule. Ça me dit laquelle j'ai récupéré. Mais par contre, ça ne m'indique en rien sur les deux où se trouvent les deux autres que je n'ai pas pu choper. Et ça, là est la grande différence entre Spyro 2 et Spyro 3, c'est que dans Spyro 3, ce ne sont pas des boules que vous devez récupérer, mais des œufs de dragon, et les œufs de dragon sont indiqués. Vous avez en général 6 œufs de dragon à récupérer par niveau, et à chaque fois,
vous allez avoir un petit peu à la façon de Mario 64 un indice qui va vous permettre de récupérer, enfin qui va vous indiquer la route à suivre pour pouvoir trouver l'œuf. Mais là, par exemple, on n'a pas d'indice. Vous avez vu, la première, on ne m'indique pas, la troisième non plus. Alors que dans Spyro 3, le premier œuf, on va vous indiquer où il est, pas les autres. Mais dès que vous récupérez le premier œuf, un autre indice va se dévoiler sur le deuxième œuf, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous les ayez tous récupérés. Alors certes, ça nous aide, mais je trouve que ça casse un petit peu l'immersion. Malheureusement, on n'est plus aussi attaché par l'ambiance. Mais enfin bon, c'est uniquement à un point de vue comme cela. Donc, on passe de lueur à Saint-Idole. Là, c'est exactement la même chose. J'ai récupéré 298 joyaux sur 400. Il y a deux boules à récupérer, etc., etc. Jusqu'à la fin du jeu, quoi. Le but étant, bien sûr, de tout choper à 100%. Alors, est-ce qu'on a un réel but de tout choper à 100%? Ben, c'est uniquement pour déverrouiller une certaine capacité. Peut-être que je vous le montrerai, je ne pense pas. De toute façon, je pense faire une vidéo boss final plus fin de ce Spyro 2. Et puis au final, je crois que je vous ai tout expliqué pour l'instant. Donc, on va continuer et on va parler à cette espèce de voleur là, de gros sous. Oui, oui, la libellule indique ton état de santé. Voilà. Ça, je leur ai déjà expliqué. Donc, salut, petit fumier. Salut, Spyro. Veux-tu apprendre à nager sous l'eau? Je pourrais te le montrer contre une petite récompense. Dit comme ça, ça fait un peu... Ah, putain. Eh, mais regardez pas comme ça. Hein. Je vous rappelle que dans notre putain de monde réel, on nous fait passer des pubs zoophiles pour Orangina. Donc, s'il vous plaît, hein, ça c'est petit. Hein. Bon, bref. Payer 500 joyaux. Putain, c'est pas 400, c'est 500. Foiré. Putain de ripou. Alors, payer 500 joyaux pour apprendre à nager sous l'eau. Oui, et tu vas nous expliquer, mais c'est moi qui vais expliquer. Alors, on peut rester à la surface de l'eau et se diriger tout simplement avec les boutons, les boutons de direction, la croix directionnelle. Appuyez sur le bouton carré pour entrer sous l'eau et le bouton croix pour pouvoir nager paisiblement. Et si évidemment, vous ne pouvez pas cracher du feu sous l'eau, sauf si jamais vous traversez un portail vous donnant la possibilité de lancer des projectiles sous l'eau, et vous pouvez également charger. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Bon, vous n'avez pas de jauge d'oxygène. Hein, vous avez oxygène infini. Tant mieux, parce que ça donne des possibilités de gameplay et de recherche au niveau des niveaux. C'est rigolo ça, qui est assez intéressante. Comme notamment, vous allez avoir plusieurs niveaux qui vont être complètement submergés, qui vont être très beaux d'ailleurs. Mais enfin bon, je n'en dirai pas plus à ce niveau-là, parce que mine de rien, on va quand même bientôt arriver à la fin de cette revue. Vous avez plusieurs types de niveaux, comme je vous l'ai montré. Vous avez non seulement les niveaux entre guillemets normaux, c'est ceux que l'on a vus au tout début, comme Lueur ou alors Saint-Idole. Et vous avez également des niveaux bonus. Alors je ne sais pas... oui, la caméra, fous-moi la paix. qu'est-ce que je disais moi? Oui, vous avez des niveaux bonus. Là ici, la plage ensoleillée, et là je crois que c'est voilà Urikos qui se trouve ici, ce sont deux niveaux entre guillemets dits normaux. Ce que l'on va faire, c'est que je vais essayer de vous emmener à un endroit. Alors, est-ce qu'on pourra y aller? Je ne crois pas. Je vais essayer de vous montrer un portail bonus. La différence de ces portails bonus, c'est que on va avoir des défis à réaliser. Ça peut être soit des une course à faire, soit c'est une course à faire, soit c'est détruire un maximum de choses. Je vais essayer de vous montrer ça, mais je pense que je n'ai pas assez de boules pour pouvoir débloquer le level. D'ailleurs, je vais récupérer une boule qui se trouve là-bas. Regardez comment la récupérer. Et hop. Et voilà, une petite boule qui se trouve ici. Il y en a pas mal hein, qui sont cachés à ce niveau-là, donc j'en ai 4. Ouais, je crois pas que j'en aurai assez. Et regardez ce vieux filou qui est encore là, là, fumier. Forcément, il est toujours ici.
Enfin bon, récupérons des joyaux. Quoique, je sais pas si ça se trouve, je pourrais peut-être le payer. Eh bien, me ravis de te voir, Spiro. Je savais comment abaisser ce mur, mais on dirait que j'ai quelques trous de mémoire. Si tu avais plus d'argent, je serais guéri. Quel enfoiré. Allez, 400 joyaux disponibles pour pouvoir baisser ce mur. Ici, ce petit passage nous amène au boss du niveau. Il faut récupérer tous les talismans qui se trouvent dans tous les mondes qui peuplent le hub central qu'est la forêt d'été. Ce sera la même chose pour la forêt, pour les plaines automnales. En ce qui concerne la toundra hivernale, c'est différent. Il n'y a plus de talismans à récupérer, mais ce sont bien des boules qu'il faudra récupérer et non plus des talismans. Donc, on va récupérer ça et je vais pouvoir faire ce que je voulais faire dès le début, n'est-ce pas? J'entends par là vous montrer en quoi consiste le niveau bonus, même si je doute, je crois pas que j'en ai. Je vais pas parler à Elora, je vais voir. Non? Bah apparemment il m'en faut plus. Coucou. Bien joué Spiro. Ah bah non. Les boules t'ont donné l'accès au portail spécial. Tu ne trouveras aucun talisman dans le circuit marin, mais si tu es rapide, tu récupéreras un tas de trésors. Bonne chance. Eh ben voilà. Elle vous a tout expliqué et apparemment j'avais suffisamment de boules pour pouvoir ouvrir ce niveau. Alors ce sera la même chose. Même à un certain moment, notamment dans les plaines automnales, vous allez avoir un endroit où il va vous falloir plusieurs boules pour pouvoir continuer à jouer. Autrement dit, si jamais vous n'en avez pas assez, vous ne pourrez pas débloquer certains niveaux, des niveaux qui vous donnent des talismans. Donc il faut absolument chercher. C'est la le maître mot de ce Spyro. C'est un jeu de plateforme en 3 dimensions qui nous donne la possibilité d'explorer les niveaux. C'est un jeu de plateforme exploration. Mais il faut impérativement que vous exploriez les niveaux. Si jamais vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver très vite bloqué. Donc on va faire ce fameux circuit marin qui est un des stages spécial. Bon, je sais plus. C'est un niveau spécial que je vous ai dit. Donc là, le but va être, voilà, par exemple, de réaliser plusieurs objectifs, comme passer à travers les anneaux. Je vais vous montrer plusieurs choses. Là, ça va être la première chose à faire. Réaliser tous les objectifs. Vous avez 4 choses à faire. Ça peut être, comme je le fais, passer à travers des arcs, ou tout simplement détruire, tuer des ennemis, allumer des lampes. C'est assez varié. Honnêtement, c'est assez varié. Donc là, déjà, on va faire ça. On est timé, bien sûr. Allez, mon grand, allez. Hop là. Je ne sais pas si on peut faire des courses aussi. Ou alors si c'est dans le 3 que c'est apparu, je ne sais plus. Viens par ici, je suis en train de faire n'importe quoi. Là. Hop là. Toi crève. Toi crève. Il m'en manque un. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est cet enfoiré? Viens ici. Viens ici. Bien. Et le dernier, ça se passe là. On a la supercharge automatique et comme vous l'avez remarqué bien sûr, on a le vol infini également. Il est ici, est-ce qu'il y en a d'autres? Il m'en reste 2, il est où le dernier? Là! Parfait! Tout cela étant fait, on nous donne 80 joyaux par série de 8 objets que l'on a chopés, ce qui nous donne un total de 400 joyaux. Nouveau record. Soit on réessaye, soit on quitte. Si jamais on réessaye, ça va se transformer en timer, mais pas négatif. Autrement dit, on va être chronométré, mais pas timé. Voilà. Il n'y a pas une limite de temps. Mais ce que l'on va faire, c'est réessayer, parce qu'il y a une particularité qu'il y a dans chaque niveau bonus, c'est qu'on a un endroit qui nous donne la possibilité de gagner une boule. Alors, où peut se trouver cet endroit, hein? Alors je peux vous dire qu'au départ on cherche, hein. On se balade dans toute l'île, on cherche les endroits un petit peu cachés, on se dit tiens, ça pourrait peut-être être là, et en fait au final on tombe sur un chou blanc, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la personne à qui parler pour pouvoir déclencher le défi qui va nous donner une boule à la place. Car les niveaux spéciaux c'est tout le temps ça, il y a une boule et 400 joyaux à récupérer. Et en fait, la personne à qui parler dans ce level est juste ici. Hop.
En général, on va faire une course contre chasseur. Tu dois te sentir vraiment fort à présent. Voyons donc si tu es de taille à affronter notre champion. Voilà. Donc là, tout ce qu'il va falloir faire, c'est passer à travers les anneaux. Et évidemment, il ne faut pas en rater un, parce que sinon, c'est cuit, quoi. Alors, allons-y gaiement. On a 20 anneaux à traverser. Il faut poursuivre chasseur. Alors, il faut le suivre, quoi. N'essayez pas de le doubler, parce que déjà, non seulement, vous n'y arriverez pas, et quand bien même vous y arriverez, vous allez être paumé. Vous allez être paumé, tout simplement, et le but, c'est de terminer la course en ayant passé tous les anneaux et non pas en étant passé devant lui. Allez, 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 mon grand, pêche-toi. Et hop, oh, le fumier, par où est-ce qu'il est passé? Fous-moi le camp, toi. Ah oui, je peux les détruire, je vais m'en donner à cœur joint. Hein. Et hop là, on va passer dans l'arche. Par où il est passé, cet enfoiré? Oh putain, il descend. Facile. Allez, encore 5 anneaux. Allez, chasseur, tu te traînes là. Oh. Allez, les 3 derniers qui se trouvent ici. Allez, 1, 2, et le 3ème qui se trouve là. Foiré là. Les 20 étant traversés. Bien joué, Spiro. On a obtenu une autre boule. Et voilà. Cela va être ça, le but du jeu, ça va être ça. Donc on va partir. Dans chaque hub central, vous avez un niveau bonus comme celui-ci. Ce qui est un niveau bonus qui est très pratique, surtout pour payer cette espèce de salopard d'ourson, là. Enfin bon. Donc voilà, quoi. Je pense que je vous ai expliqué la totalité de ce qu'est Spyro. Je suis bien content de vous avoir fait cette vidéo en plus. Bien qu'elle ait duré énormément de temps, j'en peux plus. Putain, j'ai mal à la gorge là. Putain, il faut que ça s'arrête parce que là j'ai mal. Ce que vous voyez ici, ces espèces d'échelles là, ce sont des parois que l'on peut escalader, mais malheureusement Spyro a besoin d'un mouvement pour pouvoir grimper par-dessus. Je vais pouvoir vous faire une petite visite, tiens. On va quitter le jeu, voilà. Oui, quitter le jeu, vas-y, fous le camp. On va prendre la deuxième partie que j'ai enregistrée. Je suis surtout content parce qu'apparemment mon logiciel fonctionne. Audacity aussi, c'est impeccable ça. Oui, donc français. On va prendre la deuxième partie là où je suis à 25%, je crois. Allez, 23%. Donc on va charger cette partie là. Je vais pouvoir vous montrer un autre environnement qui est par contre les plaines automnales. Je crois que c'est ça, hein, le nom. Hein. Je crois que c'est ça. Enfin, je ne sais plus. Puis en même temps, je vais pouvoir tout simplement... Comment dire? Oh, je suis pas passé par ici. Mais quel affront. Quel affront. Je suis pas allé au... glace de cristal, j'y suis pas allé. Oh, à mon avis, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas dû faire grand chose dans cette partie là. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis. On va regarder. Alors, regardons dans le carnet. J'ai 93 joyaux sur 400, d'accord. Je possède 1230 joyaux. 5 boules seulement. Putain, mais j'ai rien branlé. Ah, j'ai rien branlé, j'ai fait cette vidéo à l'arrache. Enfin, j'ai fait le truc à l'arrache. Voilà, c'est bien les plaines automnales, putain. Mais quelle mémoire. Et j'ai fait qu'un seul niveau, apparemment, c'est le port de Brise. Eh ben, pourquoi pas, écoutez. Mais si on regarde, par exemple, la forêt d'été, voilà, j'ai terminé le circuit marin, le cachot de cruche. Donc, le cachot de cruche, c'est tout simplement le boss, l'espèce de gros démon bleu qui accompagne Ripto. Parce que oui, on va affronter Cruche, on va affronter Gulp, et à la fin, évidemment, on va affronter Ripto. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a toujours le pourcentage. Ah ouais, je les ai vraiment traversés. Hein. Oh, ah oui, je les ai vraiment traversés ici. Donc là, ce que je vous montre, c'est tout simplement un autre environnement. Comme vous pouvez le voir, l'architecture, évidemment, a changé. On est plus, même si ça y ressemble un petit peu, on n'est clairement pas dans le même endroit, ça se sent. Cet endroit va nous proposer encore d'autres niveaux. Il y en a pas mal, hein, et je peux vous dire qu'ils sont tous très différents des uns des autres.
Là-bas. On va voir l'autre fumier de Gripsou là qui va nous taxer, je crois, 1000 joyaux pour pouvoir apprendre à grimper à l'échelle. Et une fois que l'on est arrivé dans les plaines automnales, on a la possibilité de revenir à la forêt d'été via ces téléporteurs par ici. Donc on va pas faire ça, on va faire retour. Je vais prendre ma partie la plus avancée pour voir où est-ce que j'en suis. J'ai pas envie de vous spoiler la gueule, mais souvenez-vous du scénario, Spyro à la base cherche à prendre des vacances. Donc on se retrouve, plantage de Audacity. Ah, il fallait, hein, c'était obligatoire, hein, il fallait que ça, qu'il y ait un gros fail. Donc, ce que je vous disais, si ma mémoire est bonne, c'est qu'on va passer, non pas à ma partie de 23%, mais à ma partie où j'ai fait 95%, où je vais pouvoir vous montrer les dernières choses que je peux, parce que de toute façon, qu'est-ce qui me reste à dire encore maintenant là ? Parce que je pense que je vous ai tout dit, quoi. Ça fait presque, ça doit faire quoi, 1h10 que l'on est ensemble, ou 1h20, je ne sais même pas. Donc on se retrouve ici dans le dernier environnement qui est la toundra hivernale. Et regardez encore le choix des couleurs, quoi. Le choix des couleurs est magnifique, avec une espèce de nuit et une ambiance encore excellente. Écoutez-moi ça. Que c'est que cet écran vert. Il y a toujours une ambiance zen, une ambiance féerique un petit peu dans tous les hubs de Spyro. Alors là, on est au dernier endroit, c'est normalement là où se cache Ripto. Ripto se trouve là-dedans, donc là, évidemment, je l'ai déjà eu. Ça vous montre également les endroits où je peux me téléporter, les plaines automnales, où là, j'ai récupéré les deux boules disponibles dans ce niveau, et la forêt d'été également. Il faut savoir que quand on arrive à cet endroit, qui est la toundra hivernale, on a récupéré tous les talismans. Et là, le but ne va non pas être de récupérer d'autres talismans, mais bien de récupérer toutes les boules disponibles dans les autres niveaux, Métropolis ou plein d'autres. Je vais pouvoir vous montrer ça dans le carnet. Voilà. Donc là, on est à la toundra hivernale. J'ai chopé tous les joyaux de ce niveau, ainsi que toutes les boules. Je possède 9680 joyaux et 59 balls. Je crois qu'il m'en manque une. On dirait qu'il m'en manque une. Mais si ma mémoire est bonne, c'est... Ah bah j'ai tout terminé ici, dis donc. Tiens, c'est où que je n'ai pas... Ah, c'est ici. Les collines de faille et l'oasis ombragée que je n'ai pas terminé. Un à 44% et l'autre à 62%. Et ben, apparemment, voilà, c'est ça. Ce sont les deux seuls niveaux que je n'ai pas terminé dans cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, de vrais niveaux. On va compter que les vrais niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 niveaux sont à votre disposition dans ce jeu qui sont tous propres. Peut-être qu'à certains moments vous allez voir 2 ou 3 similitudes, certainement dans les skins des persos, certains sont très réutilisés. Mais globalement, l'architecture, l'environnement des niveaux, Tout est différent, tout a sa propre ambiance, sa propre OST également, même si Lueur possède l'OST principal de Spyro. Je me souviens plus où est-ce qu'on va quand on passe par ici. Ah, c'est le Temple des Nuages, je crois. Le Temple des Nuages, non, on va pas y aller. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que là, je commence à tourner en rond. Je commence à avoir un mal de gorge de fou en plus, donc il faut mieux que j'arrête de parler. C'est pas une épopée qu'on va faire. Mais vous savez quoi, je comptais vous en faire un walk de ce jeu. Je comptais vous en faire un walk. Ça fait un petit moment que je l'avais prévu. Mais au final, je l'ai arrêté parce que je n'avais pas le matos nécessaire pour pouvoir capturer convenablement. Parce que là, on est sur ma PlayStation. Hein. Inutile de le préciser, je pense.
mais l'émulateur de PSX ou PSXE était complètement à chier, il y avait des bugs en tout genre, puis au final, je sais pas, moi jouer sur PC, comme vous savez, c'est pas mon truc. Donc évidemment, j'ai appris dans cette partie, j'ai appris absolument tous les mouvements disponibles pour Spyro, dont celui-ci qui est la charge frontale, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous appuyez sur la touche croix et sur la touche triangle au sommet de votre saut. Ça vous permettra de détruire certaines roches, soit pour vous dégager le chemin, ou soit tout simplement pour vous donner accès à des boules. Voilà. Et on va se laisser, je pense, sur un magnifique vol plané. je l'avais prévu ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des niveaux à tire-larigot, vous en trouvez un peu partout. Ah voilà, les collines de faille, c'est ici. J'ai récupéré aucune des trois boules apparemment. Eh ben il me manque pas 3, il doit m'en manquer 5. 6 alors. Peut-être que le maximum c'est 65, je ne me souviens plus. Enfin bon, à mon avis, les collines de faille, c'est un niveau que je n'avais pas trop apprécié. De par son ambiance en fait et de par sa musique, ça m'avait fané. Pour ceux qui auraient joué à ce jeu, souvenez-vous, c'est un level où il y a des espèces de minotaures qui jouent de la cornemuse à chaque fois. Ça m'avait cassé les oreilles. À chaque fois que je rentre dans ce niveau, ça me casse les esgourdes. Donc résultat, ce niveau, en général, je le fais très très vite et j'y reviens qu'à la fin. Tout simplement. Et je crois que Oasis, donc ça c'est cône magmatique, je crois que Oasis ombragé, c'est un niveau qui se trouve là-bas, qui n'est disponible que grâce à Gros Sou qui se trouve juste en face normalement. Mais à la fin, quand on arrive à la toundra hivernale, une fois que l'on a battu Ripto, et ben tout simplement, on a une bonne surprise pour Gros Sou. Je ne vous en dirai pas plus. Donc au final, je ne sais pas si ce jeu, je vais vous le proposer en let's play ou pas. J'en sais rien du tout, on verra bien, peut-être un de ces quatre. Mais bon, moi je vais m'arrêter là. Donc Spyro 2, Gateway to Glimmer, veuillez m'excuser, j'ai été très très long pour ce... Pour cette review, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon jeu préféré de la PlayStation, donc c'était normal que j'essaye d'en faire une bonne présentation. Donc on va se laisser là sur ce beau plan. Mon dieu, le clipping, oh. Enfin bon, donc sur ce, je vais vous laisser là. Donc Spyro 2 Gateway to Glimmer, un excellent jeu qui allie à la fois la plateforme 3D et l'exploration. C'est un jeu qui est enchanteur, qui est joli, enfantin, mais qui plaira à tout public, ça je peux vous le garantir. Les joueurs expérimentés, je pense, aimeront son gameplay souple et vif, et les plus jeunes d'entre nous, je pense, aimeront son côté enfantin, très coloré, très enchanteur. Enfin voilà, quoi. Je pense que c'est le genre de jeu qui peut plaire à absolument tout le monde. Donc je vais vous laisser sur un magnifique vol plané, je vous dis ciao à tous. A la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde! Ciao, bye bye!